Hey, salut à tous, c'est R27, on se retrouve sur Sony Vegas Pro 13, mon logiciel de montage. Donc, j'ai un petit projet que vous verrez peut-être un jour s'il voit le jour et quand j'aurai le temps. Donc, pour ce projet, j'ai dû, comment dire, utiliser le Motis Madex pour faire un trou dedans. Donc, normalement, là, l'image que vous voyez, c'est sans fond. Je l'ai fait en image 4 tiers, comme ça, avec l'écran du bas de la console, ou en 16 neuvième, voilà, ça fait ça. Et au cas où, s'il y a des problèmes avec le fond, j'ai mis un petit fond vert, comme ça, vous faites... incrusté par prominescence, je sais plus comment ça se dit, mais bref, ça enlève le fond vert, vous m'aurez compris. Donc vu que je me suis cassé la tête à le faire, je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Donc voilà, je vous le partage, vous pouvez le télécharger, vous faites ce que vous voulez. Donc là vous voyez qu'il y a écrit Rem27 en tout petit, c'est normal, hein, j'aurais pu le mettre beaucoup plus gros, j'aurais pu le mettre sur tout l'écran. Ce serait un peu débile de ma part de vous le partager en le mettant sur tout l'écran. En fait je l'ai mis en tout petit, ça s'adresse à ceux qui sont bons en montage. Donc ceux qui sont bons en montage, bah, vous décalquerez et vous supprimerez le Rem27. Hein. Je l'ai mis en sorte que ça ne gêne pas du tout l'animation du Motis Madex. Donc voilà, vous ferez un calque pour le supprimer le Rem27. C'est super simple, hein, vous faites un carré et puis voilà, ça le supprimera. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vais mettre un peu de musique et je balance ça sur YouTube. J'espère que ce petit fond vert où je me suis cassé la tête sera... vous sera utile, voilà, je me suis dit autant partager les efforts hein, que je l'utilise pas une fois et que je le supprime, ça sert à rien. Donc voilà, fin de vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout dépend à qui regarde ça, et à la prochaine, profite du fond vert, je me mets à défiler maintenant, bye.